Xavier Rocher, ailier 18 ans. Carsen Talaloua, centre, 18 ans. Afan Zakari, pilier droit, 18 ans. Yasuti Marco, 3ème ligne centre, 17 ans. Barnabé Massa, talonneur, et bientôt 18 ans dans deux semaines. Barnabé, ça fait quoi de chanter la Marseillaise? Qui s'est trompé? D'abord, chanter la Marseillaise, c'était très émouvant parce qu'on était entre nous. Et je me rappelle, la première Marseillaise, ouais, c'était à Fréjus contre les Anglais. C'était, il y a eu quand même une montée d'émotion, mais en soi, tout le monde était resté dans le match. Donc, pas forcément des larmes ou encore, je ne me rappelle plus trop. Et sinon, celui qui s'est trompé, il me semble de mémoire, j'étais à côté de Zach et Gazo, les deux se sont trompés. Couplet. Donc c'est impeccable. Carson aussi, on peut pas le voir. Moi, je le connais. Gabin, 3 essais lors du dernier match, raconte-nous. 3 essais lors du dernier match. C'était lors de la victoire du Pays de Galles, où on a mis une sacrée raclée au Pays de Galles quand même, 60 points, etc. Et il y avait 3 essais qui ont été marqués plutôt. J'avais plus qu'à marquer, il y a eu un beau travail. De l'équipe où il y a eu beaucoup de fois où on a pu avoir des espaces sur les extérieurs, donc c'était un beau cadeau pour finir le tournoi avec le grand chelem en plus. Marco, qui sont tes modèles en équipe de France? Les modèles en équipe de France des grands, bah, au poste, moi il y a c'est Aldoït. Après, moi, mon modèle préféré à l'ancienne, Picamol, moi j'aime bien. Alors, Zakari, ça fait quoi d'être le club le plus représenté en équipe de France U18? D'être le club le plus représenté en équipe de France U18, ça veut dire qu'il y a une très bonne formation de la part de Grenoble, de la part de l'Académie, et qu'il y a un gros travail fourni de la part des joueurs pris, donc de nous cinq, et de tous les autres, même de ceux qui n'ont pas été pris. Du coup, on peut penser que c'est une force et une fierté comme le slogan du club et que c'est encourageant pour les années futures. Carson et Kevili. Revenons au championnat Krabos. Pour en être l'équipe, quelles sont les prochaines échéances? Actuellement, on est premier, mais on a envie de passer deuxième. Vu qu'on a perdu à Brive, mais il nous reste le match de Massy, le dernier match. Des playoffs, la revanche. On s'est incliné là-bas, de peu, et on les attend. Marco, à quoi ressemble le projet de jeu en EDF U18? Le projet de jeu en équipe de France U18 est assez différent de celui qu'on a ici. Enfin, il est axé surtout sur des joueurs qui portent la balle et qui vont ouvrir les espaces. Bon, on est sur des temps lents et sur des temps rapides vers. On essaie beaucoup d'aller chercher les 15 mètres sur les extérieurs, aller jouer dans les espaces libres, même s'ils sont au milieu du terrain. Donc voilà, c'est surtout c'est basé sur des joueurs qui portent la balle, qui sont capables d'ouvrir les espaces, etc. Aussi avec des avants dans les zones de marque, plutôt vraiment dans les 22 mètres, dans les 5 mètres. Là, on va jouer avec des pénétrants. C'est un peu plus simple. Kersen, ça fait quoi de partager cette aventure avec les copains? C'est des moments incroyables. Parce qu'après, il n'y a pas que ces copains-là. On a passé 2 semaines avec d'autres joueurs de toute la France. On a tissé des liens. Et on a hâte de les revoir sur le terrain pour les fascinants. Barnabé, raconte-nous une anecdote sur le festival. Ah ben, on en parlait tout à l'heure en plus pour l'anecdote. Il y a Kersen qui est. J'ai passé chez le coiffeur, chez l'analyse vidéo qui s'appelle Nico, je sais pas s'il verra la vidéo, mais merci Nico pour la coupe de cheveux apparemment. Et il s'est fait passer pour un coiffeur qui avait fait un CAP coiffure. Il voulait faire un dégradé à Kersen et il a fini avec la boule à zéro. Match au terrain, on peut plus y aller avec la famille. La boule à zéro pendant le match. Zakari, qui était le plus stressé? Je l'ai vu de l'extérieur pour le match de l'Angleterre. Je pense que les deux qui sont ici, ils étaient pas mal stressés pour leur premier match. Lui était plutôt à l'aise. Et je pense que pendant le festival,
On était tous vraiment stressés, sauf qu'on ne le montrait pas. Moi, je pense que j'étais bien stressé pour mes premiers, pour mes débuts. Après, ces trois-là, ils avaient l'habitude, on va dire. Et Marco aussi, je le sentais stressé, mais il ne le montrait pas.